pourquoi je ne suis pas encore prêt pour ce rôle. Et les gens vont me dire, mais non, c'est l'inverse. Franck, je veux ce rôle, c'est parce que je me sens prêt. Allez-y à l'inverse. Dites-vous, vous allez aujourd'hui, parce que si vous n'avez pas le poste encore aujourd'hui, il va falloir gratter. Et cette astuce, ça va vraiment vous aider. Écoutez-moi bien, tu veux vraiment ce poste? Pose-toi cette deuxième question. Je veux cette augmentation, je veux cet avancement, je veux cette nouvelle responsabilité. Pourquoi est-ce que je ne suis pas encore prêt pour ce rôle? Aujourd'hui, je ne l'ai pas, je ne suis pas prêt. Et en fait, vous allez me dire, à l'intérieur, je suis prêt? Parfait, good, on va juste décrypter. Ce que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est lister encore un papier, un crayon, un carnet de notes, et vous allez lister les trois, et identifier surtout les trois aptitudes et ou compétences. Vous allez identifier trois compétences ou trois aptitudes que vous devez développer maintenant pour le poste que vous voulez. Mais beaucoup de gens aujourd'hui veulent apprendre le métier en étant payé, sans être compétent. Beaucoup de la nouvelle génération est comme cela. Bon, oui, moi, alors je suis. Et surtout, ils vous mettent un poste pompeux et ils arrivent sur le lieu de travail, le moment de travailler. Eh bien, le gars, il disait qu'il savait faire des meubles en tant que menuisier. Je suis menuisier international, ok. Et alors, tu peux m'expliquer comment on peut faire pour être menuisier? C'est un peu ça que vous avez aujourd'hui sur le marché du travail. C'est complètement dingue, mais la formation se fait alors que le travail arrive. Une nouvelle fois, je suis pas très à l'aise avec cette approche-là, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui veut dire pour vous que c'est une bonne nouvelle. Parce que si vous voulez faire la différence des autres travailleurs, des autres camarades de travail, eh bien, ça va être très simple de vous démarquer. Mais très, très simple. Extrêmement simple.